Tu pensais à quoi? T'es bien curieuse. Tu pensais à quoi? Je ne te le dirai pas. Mes pensées sont ma liberté la plus intime. Tu n'as pas à te les approprier. Dis-moi, à quoi tu pensais? Si tu insistes, je vais être obligée de te mentir. Je suis sûre que tu pensais à elle. À vous! C'est mon tour, j'y vais. Oui, je pensais à elle. Tu vois, j'ai deviné. Je m'en doutais. J'ai dit que je te mentirais pour avoir la paix. Tu ne mens pas, c'est la vérité. Quand tu mens, je le vois tout de suite. Tu as le cou qui se couvre de plaques rouges. Tu m'embêtes. Laisse-moi tranquille. Je vais la veiller. Tu es comme elle. Elle aussi se couvre de plaques rouges quand elle ment. Et puis vous levez les yeux au ciel toutes les deux quand vous ne savez plus quoi répondre. Tiens, regarde, tu viens de le faire. T'es bien énervée. Qu'est-ce qui te prend? J'en ai marre d'être ici. Marre de tourner en rond. Marre de n'avoir rien à faire. Marre de ce silence. Si au moins tu me parlais. Mais non, tu penses. Madame pense. Et madame pense en silence. En général, c'est ce que tout le monde fait, c'est mieux. Si on parle en même temps, c'est plus la pensée, mais de la conversation. Et tu penses à elle? Tu pensais quoi? Tu es agaçante, là. Pourquoi tu penses à elle et pas à moi? Toi, je te vois et je t'entends. Tu emplis mon espace sonore et visuel. Tu peux me laisser un peu de ma pensée pour quelqu'un d'autre, non? Je suis sûre que tu ne penses jamais à moi. Tu me fais une scène, là, ou quoi? Elle est là, à 2 mètres, couchée de l'autre côté du mur, et en plus, tu penses à elle? Arrête, tu es ridicule. Mais elle, je ne comprends pas pourquoi elle te préfère. Ça se commande pas, ce genre de sentiment. Ce sont des affaires d'ondes, de magnétisme, comme pour l'amour. Pourquoi aimes-tu tel homme et pas tel autre? C'est bien ce que je dis. Pourquoi t'aime-t-elle toi et pas moi? Mais elle t'aime. Moins. Moins que toi. Pourquoi? Je ne peux pas te répondre. Pose-lui la question. Tu ne te la poses jamais, toi? Non. C'est indécent. Alors tu prends, tu prends, tu te gaves de son amour. Et il ne te vient jamais à l'esprit que tu en prends plus que ta part. Tu sais ce que c'est, toi, une juste part d'amour? C'est la même chose. C'est quand c'est équilibré. C'est quand elle m'embrasse autant que toi. C'est quand elle demande comment je vais avec le même nombre de questions que pour toi. C'est quand elle dit autant de fois que je suis contente de te voir pour moi que pour toi. C'est quand elle passe sa main dans mes cheveux avec la même tendresse que dans les tiens. C'est quand, dans le poulet du dimanche, elle ne réserve pas le solilès à sa chouchoute. Mais il n'y en a qu'un par poulet. Tu réagis pour le poulet et pas pour le reste. C'est que tu ne me laisses pas parler. Elle te préfère. Elle t'a toujours préféré. Toi et tes mignonnes petites couettes à la con. Moi, mes vilains yeux de chouette. Je la déteste. Ne dis pas ça. Je la déteste. Et toi aussi, je te déteste. Vous m'avez pourri mon adolescence. À vous papouiller sous mes yeux. Avec vos petits mots délicats qui me torturaient, qui m'arrachaient le cœur et les oreilles. Avec son tablier de ménagère, toujours noué autour de sa taille, et qui recevait tes pleurs de sale gosse morveuse 20 fois par jour. Et ses goûters, servis sur la petite table du salon. Et ses 2 prénoms qu'on appelle toujours dans le même ordre. Le tien et puis le mien. Le tien et puis le mien, toujours derrière. Quelle rage! Si longtemps après? Mais ce que tu comprends pas, pauvre cloche, c'est que c'est justement pas si longtemps après. C'est là, tout de suite, toujours.
toujours, tout le temps, c'est encore. Je ne me rendais pas compte. Bien sûr, toi tu avais le beau rôle. Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, je pensais pas qu'aujourd'hui, dans ces circonstances, dans cette maison, à ce moment précis, tu me dirais cela. J'ai attendu toute ma vie. Tu trouves que c'est pas assez? Tu es jeune. Non, je ne l'ai jamais été. À cause de vous deux. Pourquoi me dire ça là maintenant, à deux pas de maman, de maman? Parce qu'elle vient de mourir! Et que sa dernière phrase a été « Va chercher ta sœur !» On la vend? Ça m'embêterait. C'est notre maison. Non, c'est la maison des parents. Aujourd'hui, c'est la nôtre. Ouais, par héritage, pas par choix. Tu ne l'aimes pas? Non. C'est pourtant là que nous avons vécu notre enfance. Et plus tard, nos vacances. Voilà, c'est une maison de vacances. Non. Non, pour moi, c'est plus. Un souvenir est attaché à chaque pierre, chaque objet, chaque arbre du jardin. C'est une partie de ma vie qui s'est imprégnée dans ces murs. Ça me ferait mal de l'abandonner à quelqu'un d'autre qui recouvrirait notre histoire de son quotidien. C'est la vie. Mes anciennes voitures sont utilisées par d'autres. Mes anciens mecs aussi. Ce n'est pas le sens de la propriété. Je ne m'accroche à rien. Tu ne veux pas qu'on la garde? On s'arrangerait pour y venir chacune son tour. Ou ensemble, si on a envie. J'ai besoin d'argent. Je peux t'en prêter. De beaucoup d'argent. Je peux t'en prêter beaucoup. J'ai besoin de mon argent. Dis plutôt que ça t'amuse de me contredire. Je n'aime pas cette maison! Et moi, je l'aime! Achète ma part, puisque t'as de l'argent. C'est ce que je vais faire. Mais ne compte pas sur moi pour te faire un prix. Je demande des conseils au type de l'agence immobilière. Tu veux un chèque tout de suite, pour la réservation? Arrête! J'ai le droit de ne pas vouloir garder cette maison. Tu as tous les droits que le droit autorise. Tu es majeure. Et vaccinée. Mémé. C'est pas drôle. Ça devrait pourtant te plaire. C'est ici même que nous avons joué à Pouet-Pouet Néné pour la première fois. C'est vrai, mais si l'endroit n'a pas changé, nous si. C'est moi qui avais inventé ce jeu. Pour toucher tes seins, tes gros seins. T'as toujours eu plus de poitrine que moi. Plus maintenant. Ils sont tombés dans mes cuisses. Quand je fais mon footing dans le parc, j'ai 2 kilos de plus à trimballer. Moi, je les ai dans les fesses. C'est bien, ça abaisse ton centre de gravité. Ça la baisse tellement que les hommes ont beaucoup de mal à la percevoir. J'en connais au moins un par an qui pense à baisser la tête. Ce qui veut dire? Que tu plais aux hommes, malgré ce que tu penses. Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Mais si. Fous-toi de moi. Je sais parfaitement ce que tu voulais dire. Ça, seulement ça. Toi et ton petit mari, tes petits enfants, ton petit chien, ton petit duplex, ta petite voiture... Ton petit vélo d'appartement, je sais ce que vous pensez de moi. Tu ne sais rien, tu te fais du mal pour rien. La salope qui baise le premier venu un soir de pleine lune dans une ruelle sordide après 3 mojitos bu cul sec. Connais pas. Je te la présente. Ta sœur, ta charmante sœur qui ne s'attache à rien ni à personne. La revêche, la cariâtre, la desséchée des ventricules. Bien trop tarte pour en retenir un, mais assez bonne pour s'en farcir des douzaines. Ton petit numéro de martyr ne m'amuse pas. Ose dire que tu n'as jamais pensé ça de moi. Elle y a répond. C'est tellement bête que ça ne mérite pas d'être levé. Tu ne l'as jamais dit. Réponds-moi, tu l'as jamais dit? Jamais. Menteuse! Je t'ai entendu parler de moi avec maman. Et pia pia pia, et pia pia pia. Les commères qui s'inquiètent pour le vilain petit canard boiteux. Maman en a parlé, oh. Pas moi. Elle s'inquiétait pour ton avenir. Oh. Avec l'âge, elle s'angoissait de tout et de rien, tu sais bien, j'ai pas voulu la contredire. Mon avenir? Mais ça lui fait une belle jambe maintenant qu'elle est morte. Tu sais bien que pour elle, c'était la famille avant tout. Elle avait des schémas de vie très arrêtés. Ouais. Principes. Oui, les principes, si tu veux. Un mari, une maison, des enfants, et le lit bien aéré tous les matins, et le gratin de chou-fleur avec le rôti pour dimanche, et la kangou avec le chien, et balade en forêt pour bien digérer. Et on met pas ses doigts dans son nez, ni dans la salade, ni dans la chatte.
Tes grossièretés ne me choquent pas. Elles choquaient maman, mais pas moi. Alors maintenant, tu peux t'en dispenser. Elle me frappait avec la pelle à tarte quand je me tripotais. Moi aussi. À 6 ans, elle m'a cassé un doigt, tu le savais? 6 mois avant mon mariage, elle m'a giflé parce qu'elle avait trouvé des traces douteuses dans ma culotte. Alors, la maison? On verra. Mais si, c'était à Vichy, avec les poulets roux. Tu sais, l'instit, le copain de papa. On était allés à un congrès en famille. J'avais quel âge? 10. Non, 11. C'était l'année de ma communion. 10 alors. J'étais mignonne. Oui, bien sûr, t'étais mignonne. Je m'en souvenais plus. Pourquoi elle ne me trouvait pas mignonne? Elle te trouvait mignonne, je te jure. Tout le monde te trouvait mignonne. Mais toi, tu étais belle. Regarde, en communiante, on dirait une mariée. Oh, tu vois, regarde, t'étais super belle. Évidemment, c'était pour la communion. On m'avait amenée chez le coiffeur, maman m'avait peint les ongles, tata Yvonne m'avait mis du bleu sur les paupières. T'aurais entendu papa comme il engueulait sa sœur. T'es folle, t'es complètement folle, tu vas en faire une traînée. Il se trompait de fille. Arrête avec ça. Regarde, sur celle de tes 15 ans, t'es super rigolote. Rigolote, mignonne. Toi, c'est belle, toujours belle. Ouais, les mêmes yeux que maman. Qui, moi? Bah oui. Pas du tout. Toujours pensé que c'était toi qui avais les yeux de maman. Oh, tu penses mal. Mais enfin, regarde. Et tu regardes mal aussi, exactement comme maman. D'ailleurs, tu te souviens du jour où elle servait la soupe à Monsieur Fraisiac? Tout en parlant à papa qui n'était pas d'accord avec lui. Ah oui, elle lui faisait des gros yeux comme ça, scrogneugneux, tout en versant, scrogneugneux. Et une louche dans le verre, et une louche sur la nappe, scrogneugneux. Elle ne s'en est rendue compte qu'à la troisième, quand elle a renversé sur les genoux de Monsieur Fraisiac. Oh, pardon, qui a poussé un grand hurlement comme ça. Ah. Pourtant, elle savait broder de si jolies petites choses. Ouais. Sa vision sur les choses de la vie n'était pas la même que celle qu'elle utilisait pour les enfants. Regarde-moi. Je t'assure, ce sont les mêmes yeux. Moi, ouais, si tu veux. De toute façon, ça m'est égal. J'ai toujours pensé que j'avais été trouvée dans une poubelle comme un petit chat abandonné et qu'il n'avait pas eu le courage de m'y laisser. Et pas plus d'affection pour moi pour autant. Moi aussi j'ai pensé ça à l'adolescence. On pense tous qu'on est des enfants trouvés. Parce qu'entre nous, quand je les regardais, avec leur petite manie, leur petite tenue vieillotte, l'arrêt au milieu de papa, les vêtements tout gris de maman, du gris, toujours du gris. Et les principes de morale bien à eux, on fait ci, on fait pas ça. Je les voyais pas se faire des choses dans un livre. Tais-toi. Bah quoi, on est adultes, on peut en parler, non? Je n'aime pas ce genre de sujet de conversation. Quoi, la sexualité ou celle des parents? Celle des parents. Bah écoute, si tu es persuadée que nous n'avons pas été trouvés et si en plus j'ai les yeux de maman, c'est qu'il a bien fallu qu'à un moment donné maman écarte les cuisses et que papa il foute sa queue. Annette, comment peux-tu dire des choses comme ça? C'est la nature, ma chérie. Ce n'est pas une raison pour le dire. On le sait, on se tait et voilà. En tout cas,
Moi, j'ai entendu des bruits parfois dans leur chambre. Pas moi. Et dans le tiroir de la table de nuit de maman, il y avait un chiffon bizarre qui devait bien servir à essuyer des liquides visqueux. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Comment peux-tu parler de choses aussi triviales si peu après le décès de maman? Ah, oh, hey. C'est mieux de les imaginer vivants que morts, non? Alors tiens, regarde, comme ils étaient beaux sur cette photo. C'est pas eux. Comment ça? Bah, regarde mieux. Les cheveux plus frisés, les sourcils plus fournis, la différence de taille entre l'homme et la femme. Oui, peut-être. C'est le frère de papa avec sa femme. La sœur de maman. Ouais, les deux frères qui épousent les deux sœurs. Ça se faisait à l'époque. Oh, j'ai donc les yeux de ma tante. Je fais du ménage. Mais t'avais pas arrêté? Si, 10 ans. Pourquoi t'as repris? Comme ça. Bon, on reprend jamais comme ça, il y a forcément une raison. Et toi, pourquoi t'as arrêté? Quelle raison? Un copain. T'as arrêté pour un homme? Ouais. J'aurais jamais imaginé. Pas pour, à cause. À cause d'un homme? Ouais, c'est ça. Il est mort. Du tabac? Non. Enfin, oui. C'est plus compliqué que ça. Tu m'intrigues. Je l'ai jamais raconté à personne. Alors, je te raconte en premier. Moi, j'ai repris à cause de Philippe. Ton mari, il fume? Non, il joue au poker avec des copains du boulot. Et ça clope méchamment pendant les parties, non? Oh, peut-être, mais c'est pas pour ça. Le vendredi. Tous les vendredis de toutes les semaines, ils font un tournoi. Toute la nuit, ils passent. Oh, bah, je m'en doute. Ça m'est égal. On n'est plus accro l'un à l'autre comme à 20 ans. Puis je préfère qu'ils jouent au poker que d'avoir des maîtresses. L'un n'empêche pas l'autre. Laisse-moi ma naïveté, s'il te plaît. Alors, ce sont pas toujours les mêmes qui jouent, mais la plupart sont du même âge. Des copains de fac, de judo, petits commerçants, artisans, bref. Des actifs qui se défoulent et craquent un peu d'argent au poker. Une bande de bobos. Oui, si tu veux. Un soir, il y avait donc Philippe, Denis MC, Jean architecte et Gaspard buraliste. Gaspard a perdu tout ce qu'il avait sur lui, mais s'est acharné. Il ne voulait pas quitter la table, totalement possédé. Alors, en enjeu, il a mis un paquet de cigarettes par semaine pendant un an. Et Philippe a gagné. Exact. Et moi, de voir ces paquets s'entasser chaque semaine comme des cadeaux inutilisés, ça réveille un souvenir vachement excitant, presque insoutenable. Et ça m'a donné envie d'en fumer. Puis deux, puis trois comme une conne. C'est ton côté pingre. Il aurait gagné des ampoules d'insuline, tu te serais fait des piqûres pour écouler tout le stock. Arrête, je suis pas comme ça. Ouais, t'as toujours été pingre. Quand maman voulait me refiler tes fringues, tu pleurnichais en disant qu'elle pouvait encore t'aller. J'étais môme, j'ai changé. Ceci dit, c'était bien. Ça m'évitait tes vieilleries et au moins j'avais des fringues à la mode. C'est vrai, moi j'étais déjà démodée. Oh, ouais. Oh oui, avec des collants. Oh, oh laine bleue, quelle Non, c'est trop con, j'arrête. Et toi? Moi je fumais sans trop me poser de questions. Les photos des poumons noirs sur les paquets, j'en rigolais plutôt. Je me disais, oh, le mec a dégusté. On lui a pris la photo de son vivant ou pas? Tiens, si je commençais une collecte, vous n'auriez pas l'opération de la trachée? Je vous l'échange contre la tumeur de la langue. Je m'en foutais. Pourtant, on vit mieux sans. Maintenant, je tousse dès le réveil et je m'étouffe à partir du 3e étage. J'avais un copain à l'époque. Rien de sérieux, mais un gars sympa.
Il peignait des tacs de charcuterie dans la rue. Son slogan disait « Le cochon est dans la rue, bande de porcs ». Tu l'as vu ? Je l'ai même pris en photo pour le montrer aux enfants. Oh, on se marrait bien. Et puis, en voiture, un jour, il a donné un coup de volant pour éviter un chat. Ma clope m'a échappé, lui a brûlé l'œil. Il a percuté un cycliste et il s'est encastré dans un camion poubelle. Deux morts d'un coup. À cause du chat ? C'est ce qu'on me dit, mais je reste persuadée que c'est à cause de ma clope. Ça m'a coupé l'envie, définitif. Je comprends. Non, faut que je trouve autre chose pour arrêter. Les modèles. Va falloir qu'on se décide. Oh bah, moi j'ai décidé, hein. Le moins cher. T'as vu la tête du moins cher? Oh. Hey, qu'est-ce que t'en as à faire de la tête d'un truc qui va recevoir 3 mètres cubes de terre par-dessus? Et la cérémonie? Bah, on pense aux morts ou au cercueil? Si tu veux, je peux lui passer un coup de peinture rouge pour un peu plus de gaieté. Sapin nordique. Ouais. Sapin nordique, sapin merdique, ok, mais t'as vu le prix? Déjà cher pour du bas de gamme. Non, pis, sapin nordique, c'est bien. Ça lui rappellera son séjour à Stockholm avec papa. Stockholm? T'es sûr? C'est pas plutôt le Danemark? Copenhague, la baie de Valborg, les fjords, tout ça? Non, la Suède. Je me souviens encore du petit autocollant qu'ils avaient à l'arrière de la Dauphine et de la statuette à la con qu'ils avaient ramenée. C'est pas une sirène? Non. Un troll en pâte à papier. Je suis sûre qu'il doit être encore quelque part par là. Et la poésie que papa récitait, tout fier d'étaler sa culture. Tous les morts sont ivres de pluie, vieille et sale, au cimetière étrange de Lofoten. Voilà, Lofoten, Suède. Bon, je regarde confirmation, on dit. Moi, je maintiens Danemark. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Enfin, papa n'a jamais déclamé du Shakespeare. Il détestait tout ce qui était anglais. Tu verras. Hey. Oscar Venceslas de Lubitsch Milos. C'était l'auteur, même. Prix Nobel de littérature dans les années 80. Il y en a un autre, un poil plus cher. Pain de Norvège, première catégorie. Un peu mieux. Lofoten, archipel des côtes de Norvège. 25 000 habitants. Norvège? Bah ouais, comme ton deuxième cercueil. Bon allez hop, je vote pour, terminé. Il serait allé en Norvège? Aucun souvenir. Je pensais que c'était le Danemark. Bah non, on a les faux toutes les deux. Faut choisir les ferrures maintenant, les poignées, le capiton. Oh non, merde, tu vas me faire gerber là. Je sais, Annette, c'est pas gay, mais il faut le faire. Bon, dans ce cas, je vais chercher de quoi tenir le choc. La bonne vieille Mirabelle maison. J'espère que c'est pas celle des années 70, parce que je rajoutais de l'eau par-dessus quand j'en buvais pour qu'ils s'en rendent pas compte. Bah. Il s'en rendait compte. Et il en parlait à maman, qui te défendait, bien sûr, et qui disait « Ah mais non, j'en ai offert un petit coup au facteur. » Alors papa devenait tout rouge, il se tapait dans les paumes en gueulant « Mais arrête de mentir! Je dis pas que le niveau a diminué, je te dis que c'est devenu du sirop. » Ah, c'est pas la même. Ah, ouais, elle est bonne celle-là.
Ah, ça te décapre mon bien, gosier. Je suis sûre que j'ai plus une trace de nicotine dans la tuyauterie. Que du fruit là-dedans. À l'époque où j'essayais de me détruire, elle aurait ça. Bah, d'où? On veut toutes se détruire. La vie est trop dure, personne ne m'aime. Oh, et puis Julien est nul, il parle à Vanessa, il me snob alors qu'on a échangé nos chewing-gums. Oh, j'en ai marre. Et puis je suis trop grosse. Puisque c'est ça, je vais me taper une pleine assiette de moules et je me ferai vomir ensuite. Non. J'ai jamais été comme ça. T'as été comme ça, toi? Ah oui. Mais à la place du gavage de moules, moi je picolais. Moi aussi, mais juste pour voir ce que ça faisait. Moi, je me déchirais la tête. Une épave. On faisait ça pendant les soirées pyjama entre filles. Mais t'étais vachement jeune. Bah ouais. Alors, la vieille, on la met dans de la cagette avec des poignées en fil de fer et un rembourrage en sopalin. Pauvre. Oh, autre idée. C'est l'automne. On la couche dans le jardin, on la recouvre de feuilles et on la brûle comme en Inde. C'est beau, c'est chaud et ça coûte rien. Arrête, on va finir paf là. On s'en fout. La vieille dira plus rien. Oh, oh, autre idée. On la transporte jusqu'au cimetière. On la jette dans un trou encore inoccupé. Et ni vu ni connu, ils seront bien obligés de l'inhumer. Ils la mettront à la fosse commune. Oh ouais, ça n'existe plus, on dit carré des indigents. À mon tour. Autre possibilité, on la dépose devant l'hôpital avec une pancarte sur laquelle on écrit « Faites ce que vous voulez de mon corps, j'en ai plus l'utilité. » C'est très bien ça. Et ça coûte pas un sou. On est reine murgée là, non? Juste gay. Non, on arrête. Faut choisir le futur petit appartement de maman. Mais t'as calculé le prix du mètre carré? Sans ouverture, sans chauffage, sans sanitaire. C'est le carré de marchand de soleil. Monopole, ma vieille. Les morts rapportent plus que les vivants. Si on la plie en deux, on peut peut-être économiser sur la surface de bois à utiliser. Arrête, Annette. Faut qu'on arrête. Maman est encore à côté et nous, on picole et on rit. C'est la loi du plus fort. La vie fait la fête quand elle rencontre la mort, histoire de lui infliger une vexation. Petite maman toute décharnée, toute fanée, les cheveux comme de la filasse. Elle n'avait plus rien de superbe, elle qui se soignait comme une jeune fille. Arrête de te lamenter. C'est l'acidité qui l'a vidée comme une coquille d'escargot. Ne recommence pas, Annette. Elle est morte, c'est fini, on la reverra plus. Mais elle non plus, elle ne nous reverra plus. Elle vient de perdre ses deux filles d'un seul coup. T'aurais pas dû me faire boire. J'ai l'alcool triste. Oh, ben pleure, tu pisseras moins demain. Fais dodo, câlin, ma petite sœur. Fais dodo, t'auras du lolo. Maman dans mon dos, fais un gros dodo. Papa au cimetière, l'attend dans son suaire. Ça va, je t'assure. Non,
Non, elle est gentille. Oh, c'était un peu tendu au début, mais ça s'est calmé. Vendredi, 11h. Laisse les enfants chez ta mère. Non, non, je préfère qu'ils viennent pas. Ils ont le temps de traîner dans les cimetières. Puis, ils la connaissaient à peine. Je sais pas, pour la maison, elle a pas encore pris de décision. Elle dort encore, je crois. Oh, excuse-moi, je bois du thé. Il y a un beau soleil d'automne. Hier, il y avait des lapins qui gambadaient sur la pelouse. On ne te met pas en retard. Non, ça va. Le plus dur, c'est de l'avoir encore à côté. Tantôt. J'ai dit tantôt. Ce sera moins dur après. Non, c'est rien. C'est Annette qui vient de débouler à moitié nue. Je m'y attendais pas. C'est Philippe ? Oui. Bonjour, Philippe ! Elle te dit bonjour. Il n'entend pas, la ligne est mauvaise. Non, pas nue, en maillot de bain. Arrête de fantasmer. Bah, la piscine, je suppose. Oui, c'est ça. On s'est pris une semaine de vacances. Allez, va bosser, sale type. Oui, bisous. Oui, oui, bisous. Bonne journée. Tu me sers une tasse, s'il te plaît ? T'es toute bleue. Pas froid ? Non, ça va. Elle doit être gelée. Pas chaude, mais ça remet les idées en place. Oh, tu m'as fait boire, ma cochonne. Ce matin, j'ai la barre. Bah, va piquer une tête. Oh, non, merci. Je suis beaucoup trop frileuse. T'es vraiment folle. Je sais. En plus, l'eau doit être toxique. Elle a sûrement pas fait l'entretien, cette année. Oh, et arrête de jouer les mamans. C'est pour ça que t'es bleue. Verte, bleu-vert, t'as chopé la couleur des algues. Mais y a pas d'algues. De la mousse, tu vas devenir végétale. Ta peau va se transformer en tapis verdâtre et gluant avec des colonies de petits coquillages à l'intérieur. Si tu m'aimes un peu, tais-toi et frotte pour m'empêcher de pourrir. Mais hé, attends, t'es malade, tu mastiques comme une commode là. Tu m'as dit frotte, je frotte. Oh non. J'en ai foutu partout, ça me dégouline jusque dans la culotte. Ah non, on va te changer dans ta chambre. Bah quoi, ça te gêne de me voir à poil? Oui, je déteste ça. Voir les femmes à poil ou ta sœur? Les femmes, je trouve ça moche. Eh mais dis donc, t'as un problème avec ton corps? Pas du tout, mais j'ai le droit à ma pudeur. Tu vas pas m'imposer ma touffe? Mais t'es coincée, franginette. Mais non. En plus, au petit-déj, il y a plus d'appétit, ça. Eh, rassure-moi. Avec Philippe, vous faites pas l'amour dans le noir. Ça te regarde pas. Vous faites pas que des enfants. Il doit bien te la tripoter de temps en temps un peu, ta touffe, non? Arrête ce genre de discussion, je te répondrai pas. Je me souviens que quand on était petite et qu'on allait à la rivière, tu voulais toujours garder ta culotte pour te baigner. Même petite, tu disais que le sable te piquait la craquette. C'est vrai, c'est désagréable. Et alors? Ouais, moi je dis surtout que tu voulais pas qu'on te regarde. À 6 ans, déjà coincée. Arrête de dire que je suis coincée. Je suis pas coincée, j'ai fait 2 enfants, je te signale. Oh, la sexualité et la maternité n'ont rien à voir ensemble. Une preuve de plus. Ton premier petit copain, tu l'as eu à quel âge? Je te répondrai pas. Maman est morte dans la pièce à côté, tu pourrais avoir un peu de décence. Pascal Lelièvre, le fils du quincailler. Une grande asperge rouquine avec un pif à décapsuler les bouteilles. Elle a au moins 17 ans. 16. Ouais, 17 bien sonné, hein. Ah, si. Moi, j'étais avec Michel Courceau. C'est au moins mon 4e petit copain. Et on vous voyait passer en vous tenant main dans la main. La grande Adèle avec la petite jeune fille bien propre sur elle, avec son petit col Claudine et sa petite jupe plissée. T'avais 17 ans, quasi 18. Et t'en dis vu quoi? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. C'est bien connu. Oh, laisse-moi rire. Je suis sûre qu'au lit, tu assures le minimum syndical. Comme disait maman, laissez l'initiative aux hommes, sinon ça les complexe. Conversation me fatigue, je vais prendre une douche. Et tu ranges tes affaires. Va, et ferme bien ta porte. Des fois que je t'apercevrai un poil de foufou. Tu n'es qu'une petite colosse.
Mais c'est beaucoup. Francs. T'as entendu? Des francs. Ah oui. Une monnaie qui n'a plus de cours depuis 2000. Autrement dit, ça ne représente plus rien. La banque les reprend même plus, c'est trop tard. Pourquoi elle ne les a pas changées? Bah, elle a oublié. Elle a dû toucher une grosse somme après la mort de papa, une assurance ou un truc comme ça. Elle l'a caché, parce que manie de vieille bonne femme, on ne sait jamais des fois que les banques feraient faillite. Et elle a oublié. Résultat, nous on retrouve du papier. C'est bête. 300 000 francs, ça fait combien en euros? 6,35 par... Oui, bon, cherche pas, ça fait 45 000 et des poussières. Tu fais ça de tête? 45 000 euros avec lesquels on peut se torcher! Ah, franchement, ça me fourronne, hein. Quelle conne, mais quelle conne! Annette! Bah, tu trouves pas ça con, toi? 45 000 euros de confetti! On peut rêver mieux, non? C'est ta part que tu déchires, là. Ah bah tiens, je m'en fous. De toute façon, je compte pas. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Ça veut dire qu'elle changeait pas souvent les draps, sinon elle les aurait vus. Ou alors elle les voyait, mais elle pensait pas que l'époque du franc était révolue. Autant elle faisait ses courses, elle se trompait jamais avec les monnaies. Elle faisait même son carnet de dépenses. T'as vu les belles colonnes de chiffres? Tout en euros, pas une erreur. Bah alors elle avait oublié. Quel gâchis. En plus, il était pour nous cet argent. Il y avait deux enveloppes à nos noms sur le dessus du paquet. Pauline. Ma Pauline, ma grande, ma toute belle grande fille, quand tu trouveras cette lettre, je ne serai plus. Je vous fais, à toi et à ta sœur, une petite surprise, un cadeau post-mortem, un petit supplément d'héritage non déclaré que vous trouverez quand je ne serai plus là. Fais-en un bon profit, ma chérie. Si jamais je n'avais pas le temps de te le dire, ou si jamais la vilaine faucheuse arrivait trop vite, sans prévenir, je veux te dire tout l'amour que j'ai eu pour toi et tout le bonheur que tu m'as apporté. Tout d'abord à la maison, puis plus tard avec ta petite famille. Tu étais mon soleil et ma force de vivre. Merci de m'avoir tant apporté. Tous mes meilleurs baisers, ma grande fille adorée. Et toi, t'en as une ? Oui. Tu peux me la lire ? Fais-le toi-même. Annette, ma chère fille, c'est tout ? C'est tout. Elle n'a pas eu le temps de la finir. Depuis 2000. Il y a sûrement une explication. Oui. Elle savait pas quoi me dire! Thank you.
et une bonne corvée de fête. Vous pouvez inviter les voisins à boire un verre. Pas envie. J'ai compris. Pas envie de voir leurs petits yeux furteurs se promener sur tout ce qu'ils avaient emporté chez eux. Et les mensonges. Elle avait dit qu'elle me donnerait 6. Je lui faisais son ménage et ses courses quand elle ne pouvait plus sortir. Pour me remercier, elle devait me donner ça. Allez, oust, on garde tout. T'es dur. C'est vrai qu'ils s'en sont occupés sur la faim. Il lui faisait son marché, son ménage. Le voisin lui tournait sa pelouse. Il tenait même compagnie quand elle était malade. Oui, bah c'est la moindre des choses, non? Elle leur partageait la moitié de son potager quand elle avait une bonne santé. J'ai encore l'odeur de sa bonne soupe aux choux dans les narines. Sa pamerdique, premier choix, il était pas bien. Si, ça faisait son effet. Moi, si je t'écoutais, on y allait du super merisier en boîte contreplaqué comme le buffet du salon pour le prix d'une Clio, mais sans le moteur, ça m'aurait fait mal aux fesses. Il était bien, je te dis. Pourquoi on l'a pas fait incinérer, franchement? Ça me fait horreur. Brûler maman, tu vois ça? Tu serais senti le courage de la regarder partir dans les flammes et de récupérer une urne ridiculement petite en te disant c'est ça, maman? Son vivant était déjà pas grande, hein. Non, moi je peux pas. La crémation pour les autres ça va, mais pour les miens je peux pas. Faux cul. Pourtant là on aurait pu lui payer du merisier. On l'aurait enfermé dans le buffet du salon. Un petit coup de plisse pour le brillant. Et hop, ensuite on était débarrassé des deux vieux trucs en même temps. Tais-toi. Ça me fait pas rire aujourd'hui. Il ne pouvait pas rester. Non, il a un rendez-vous à 15h. Tout juste le temps de faire la route. Il n'est pas malade. Je l'ai trouvé vieilli. Il a des problèmes. De boulot. Ça a licencié dans sa boîte. Il a peur. Ça se voit. Il est jaune. Je voudrais lui conseiller de faire des examens. Inutile de lui conseiller quoi que ce soit. Il n'écoute rien ni personne. Bon, écoutez. Oui? Oui, tout juste. On va se faire du thé. Fais attention sur la route. Il ne me téléphone plus qu'une fois arrivé, il y a du brouillard. Ne téléphone pas au volant, ça me fait peur. Oui, à plus tard. Son téléphone au cimetière, ça la foutait mal, hein? Il avait oublié de le couper. Ouais, il aurait pu ne pas répondre. C'était pour éviter qu'on l'appelle plusieurs fois de suite. Un peu malade du téléphone, ce cher Philippe, non? Non, pas plus qu'un autre. Mais toi, t'as personne à qui téléphoner? Personne. Je peux aller dans la pièce à côté si t'as besoin. Pas besoin. Tu n'as à prévenir personne pour ton travail? Non! Je ne sais même plus tout ce que tu fais au juste. C'est compliqué. Je fais cracher ce compte du fric. Voilà, le luxe. Disons que je travaille dans le luxe et ça, c'est le secteur en pointe. Donc tu gagnes bien? Tu disais que tu avais des problèmes. Bah, je gagne bien, mais je dépense beaucoup aussi. Il faut le temps que les choses s'équilibrent, se stabilisent. Je rembourse quelques avances, alors je gagnerai bien ma vie. Je comprends rien du tout. Ça me paraît bien mystérieux, ton truc. Oui, ben, continue à faire comme avant et cherche pas à comprendre. J'ai encore le cœur qui cogne. J'ai fouillé le secrétaire de papa ce matin. Avant l'enterrement? Ouais, pendant que tu te préparais. On devait le faire ensemble. J'ai pas résisté, je voulais savoir ce qu'il cachait. Tu te souviens qu'il fallait toujours frapper à la porte de son bureau avant d'entrer, sans quoi il se mettait dans des colères noires? Une fois, il a vite refermé un tiroir en grommelant dans son entier. Et alors? Dans le tiroir du haut, j'ai trouvé des lettres. D'une femme? J'en étais sûre. De sa sœur. Apparemment, ils se faisaient des confidences sur leurs parents. Des ragots, des secrets de famille éventés, des supputations aussi, un peu comme nous. T'exagères. T'aurais pu m'attendre.
Il y avait un autre tiroir fermé. J'ai cherché la clé partout. Je ne l'ai pas trouvée. Alors avec un tournevis, j'ai forcé. Et il a cédé. Il y avait quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Un truc insensé. Raconte. J'aurais jamais cru ça de papa. Tu me fais peur. Alors? Tu veux que je te raconte? Ah ben bien sûr. Arrête de jouer avec mes nerfs. T'as trouvé quoi? C'est dégueulasse? Oui. Mon Dieu, j'en étais sûre. C'est quoi? Allez, vas-y, dis-le. J'ai peur de savoir, mais maintenant t'as fait le maximum pour m'intriguer à couche. Des écrits. Sur du papier. Des cahiers. 5 cahiers recouverts de sa petite écriture de mouche. Et alors, c'est quoi? Des calomnies? Des dénonciations? Du cul? Des saloperies avec les femmes? Des poèmes? Monsieur s'essayait à la poésie. C'est tout? Ah oui, pourquoi? Tu t'attendais à quelle turpitude? Mais c'est toi, t'as dit que c'était dégueulasse. Mais je confirme, c'est de la poésie de merde, il avait bien raison de s'en faire. C'est vraiment bête. Tu m'as fait une de ces erreurs. De maman, astre étoilé en contingent. Qu'est-ce que c'est, gnangnan? Alors arrête de les lire. Je veux espérer en trouver un qui tranche sur la multitude. J'ai pris la rhubarbe pour faire une tarte. T'aimes la tarte à la rhubarbe? Ouais, je crois. Enfin, je sais pas. J'ai jamais mangé. Mais si, maman en faisait. Alors j'aimais pas. Sinon, je m'en souviendrais. Au marché, ça chuchotait dans mon dos. Des patati, patata, et pss, 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 des souris qui trottaient l'une à l'autre en se poussant du coude. C'est la fille de la directrice d'école qui vient de mourir. Oh, j'aurais pas reconnu. Elle se laisse pas abattre, regardez. Elle prend 1 kilo de girolles et il y a une bouteille de Montbazillac qui dépasse de son cabas. T'as pris du Montbazillac? Oui. T'aimes pas? Bon, bien sûr que si, j'adore ça, c'est une super idée. Je l'ai acheté exprès, je me souvenais que c'était ton vin préféré. Sympa, la frangine. Hey, t'as qu'à le mettre au frigo, on se fera un petit apéro avec. Aussitôt dit, aussitôt fait. Hey, j'ai calculé. Cahier de 100 pages. Poème recto verso, jamais plus long. Total 50 poèmes, fois 5 cahiers, résultat 250 textes du pater. C'est pas mal. Oui, ben, la quantité n'assure pas la qualité, hélas. C'est d'une évidence, d'une banalité, d'un manque d'originalité. Eh tiens, on va se livrer un test. Je vais te lire un de ces poèmes et tu vas essayer de deviner la rime. Tu me moques pas. C'est pas mal pour un comptable de faire la poésie. Mais non, il aurait mieux fait d'aider maman à son jardin, à retaper la grange, à empirer l'allée plutôt qu'à versifier comme un écolier du certif. Oh, mais tu disais toi-même qu'elle se cassait le dos alors que monsieur est en chemise blanche et gilet de flanelle à son bureau. C'est vrai, il a jamais été bricoleur. Bah, moi je dis qu'il était fainéant, toute sa vie assis. Ça l'a pas empêché de partir le premier. Justement, parce qu'il bougeait jamais son cul. Alors il s'est mis à grossir, grossir. La graisse lui a bouffé le ventre et le reste.
Et a fini par l'étouffer. Tu te souviens de la difficulté qu'il avait à respirer quand il se déplaçait? On aurait dit un phoque. J'ai pris des pistaches aussi. T'aimes ça, je crois? Et les sucreries dont il s'emplissait les poches? Je fume pas, alors je compense, qu'il disait. Putain, mais c'est pas ce gavré de saloperie qu'il aurait dû faire. C'est transpirer au grand air, faire suer la carcasse, mouiller le petit chocot de corps. Mais non, pas lui, pas monsieur. Pas un fils de la haute bourgeoisie, pas en chemise blanche et en bouton de manchette, non. Ça ne montre pas ses mollets, un fils de la haute bourgeoisie, non. Ça doit sentir le frais et la coiffe et le vin. Pourquoi tu t'énerves après lui? C'était pas ton chouchou? Bah si, justement. Je le voulais irréprochable dans sa vie et dans ses actes. Et dans son corps aussi. T'avais pas choisi le bon cheval? Bah ça non. Pourquoi tu me dis ça? Pour rien. Bon tiens, je te dis celui-là et tu devines les rimes. Le vieil homme n'avait qu'un manteau qu'il mettait le matin. Rime avec manteau? Oui, qu'il mettait le matin. Tôt. Très tôt, oui. Pour prendre presque au quotidien l'autocar qui était... Moyen, citoyen, autrichien. Enfin, Pauline, il parle de lui, là. Le vieil homme, c'est lui, donc l'autocar, c'est... Lui? Non, le sien. L'autocar qui était le sien, mais t'es aussi mauvaise que lui, ma parole, c'est effrayant. Mille excuses, je suis matheuse, pas littéraire. Oui, bah quand même. Bon, alors là, attention, attention, il a fait une variante. Accroche-toi, il parle donc de l'autocar qui conduisait les hommes, les femmes, non, les femmes, les hommes, du domicile jusqu'au... Prud'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'au prud'homme? Parfois, on va au prud'homme. Enfin, mais pas lui, il était bien trop résigné. Bon, je continue. Mais je t'ai dit qu'il y avait une variante. Les rimes ne se font... Ah, non. Les rimes ne se font pas toutes les deux phrases, mais en intercalé. Donc je reprends. Qui conduisait les femmes, les hommes du domicile jusqu'au bureau? Donc maintenant, t'as une rime avec homme. J'avais trouvé prud'homme, mais t'en veux pas. Et une avec bureau. En premier, avec bureau. Redis-moi les deux vers. Qui conduisait les femmes, les hommes du domicile jusqu'au bureau, puis une fois remis le... manteau. Yes! 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 Mais tu vois que tu peux quand tu veux. Bon. Là, la prochaine est beaucoup plus difficile. Ça m'étonnerait que tu trouves. Maintenant que je suis partie, je suis capable de tout. Vas-y. Il ne trouvera pas. Il s'est surpassé. Qui conduisait les femmes, les hommes du domicile jusqu'au bureau, puis une fois remis le manteau de son lieu de travail. Rime avec homme qui soit pas prud'homme. Oui. Majordome. Économe. Astronome. Pomme. Mais ne dites pas tout ce qui te passe par la tête. Tu dois trouver les rimes, mais le sens aussi. De son lieu de travail jusqu'au majordome, franchement. Il n'était pas très bon, mais pas complètement idiot non plus. L'atome. L'atome. L'atome de quoi? Atome de brebis, j'en ai acheté au marché. L'atome de brebis. Oh, t'es bien la fille de ton père. Non, bon, de toute façon, je te l'ai dit, tu ne trouveras pas. Là, il s'est foulé, je t'en lis tout. Qui conduisait les femmes, les hommes, du domicile jusqu'au bureau, puis une fois remis le manteau de son lieu de travail, at homme, le vieil homme. At home? De l'anglais? Ouais, si on veut, ouais. Je détestais l'anglais, les anglais, tout ce qui touchait l'Angleterre, de près ou de loin. Bah oui, bah il devait pas prendre ça pour de l'anglais. Non, moi je persiste, c'est la tome qui voulait mettre. On en avait toujours sur le plateau de fromage. Donc, de son lieu de travail à la tombe de chèvre. Tiens, c'est pour toi. Pour moi, mais qu'est-ce que c'est? Un cadeau. En quel honneur? Comme ça, il y avait un type sur le marché qui en vendait. J'ai eu envie de t'en offrir un. Mais pourquoi? Pour rien, pour faire plaisir. Mais pourquoi tu veux me faire plaisir? Arrête de poser des questions et ouvre-le, t'en veux pas? Si, si, mais je suis surprise, on se fait jamais de cadeaux. C'est pas une raison pour continuer.
J'ai rien pour toi, moi. Mais on s'en fout. Ouvre. Ouvre-le ou je le rapporte chez le marchand. C'est superbe. Il te plaît? Ouais, beaucoup, oui. Ben, dis-moi merci. Merci. Sinon, ça te rappelle pas une vieille chanson, quand même? Quoi? Bah son poème, là, le vieil homme qui n'avait qu'un manteau qu'il mettait le matin très tôt pour prendre au quotidien l'autocar qui était le sien. Oui, un truc des années 80. Comment ça faisait? Dans son vieux manteau. Par-dessus. Oui, c'est ça! Dans son vieux par-dessus râpé. Il s'en allait l'hiver, l'été. Dans son autobus de banlieue. Mon vieux. Oh, Daniel Guichard, mon vieux! Dis donc, c'est carrément du plagiat. Daniel Guichard a plagié papa. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans son autobus de banlieue, mon vieux. Et le mien, moche, très moche, pour le vilain petit canard. Tu n'es pas moche, ton prénom. Annette. Annette. Dans le mien, si tu écoutes bien, la première syllabe surtout, tu entends Anne. Moi, c'est beau. Beau? Bah, presque. Beau, peau, ça sonne pareil. Moi, c'est Anne. Deux poids, deux mesures. La plupart du temps, un prénom choisi avant la naissance, alors tu peux rien en déduire. Bah, si. J'en déduis que même avant la naissance, il te préférait déjà à moi. T'es bête, ça n'a rien à voir. Bah, tu peux m'expliquer alors toutes ces différences, cette façon de t'encourager, de te mettre en avant, jusqu'à cette lettre posthume où elle te couvre de petits mots d'amour? On en a déjà discuté, Annette. On va pas recommencer. Mais tu vois pas que ça passe pas, que ça passera jamais, que je leur en voudrais toujours de nous avoir aimés avec autant de différences. Si tu savais. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ignore? Je vais te raconter. Peut-être que tu te sentiras apaisée ensuite. Je l'espère. En fait, si t'as le sentiment que maman m'aimait plus que toi, c'est parce qu'elle me protégeait. Elle t'estimait plus forte que moi, plus impétueuse. Elle disait que toi, tu saurais toujours te sortir des pièges de la vie. Pas moi. Ça l'arrangeait de le penser. En réalité, elle n'avait que peu d'amour dans le cœur et elle avait choisi de te le donner à toi. Plus rien pour le vilain petit canard, plus rien pour le mari non plus. C'est pas ça. Bah c'est quoi alors? Je vais te le dire. On a bien fait d'en garder un peu. C'est si difficile à dire. Encore bébé. T'es donc pas très vieille, moi non plus. C'était au printemps, mais je me souviens plus de l'année. Si, puisque j'avais 5 ans. Bref, il faisait très beau et je l'avais joué au jardin. J'étais sale comme un goré.
Papa avait une fête à son entreprise. Un pot de départ de collègues. Quand il est rentré à la maison, on devinait qu'il avait bu plus que d'habitude. Il faisait le rigolo, ce qui lui ressemblait pas. Il a dit, je vais donner son bain à Pauline. C'était pas la première fois. Les premières années, il aidait bien, maman. Il m'a savonné avec le gant. Je ne me souviens pas grand-chose, mais je revois son visage tout rouge. Les muscles de son cou qui saillaient, qui tremblotaient. Son front qui ruisselait de sueur. Ça suivait l'arrêt du nez et ça goûtait dans la baignoire. Il me lavait avec le gant et je sentais sa main qui tremblait, qui ralentissait, qui insistait. Il me faisait de drôles de petits sourires crispés. Maman est arrivée dans la salle de bain. Papa s'est troublé, il a bredouillé. J'ai presque fini. Maman lui a dit, laisse, je vais la rincer. Phrase anodine, mais dite avec une fermeté qui ne laissait aucune place à la controverse. Voilà. C'est tout. Je pense qu'il n'a rien fait. Peut-être n'a-t-il eu qu'un trouble, qu'une pensée. Peut-être qu'il a juste eu l'idée de... Peut-être, je sais pas. Mais plus jamais il m'a donné le bain. Maman l'a toujours empêché. Et je crois que de lui-même, il n'a plus jamais demandé à le faire. Enfermé dans son bureau, il a écrit de la poésie. Voilà pourquoi maman était plus prévenante avec moi. Elle me protégeait. C'est pas qu'elle m'aimait davantage. Elle devait se sentir coupable de m'avoir mise en danger. Pardonne-moi. J'avais dit jusqu'à dimanche, mais je ne supporte plus notre tête-à-tête. Je ne supporte plus ce temps à deux après une aussi longue absence. Après une aussi longue ignorance. Ta gentillesse, ta patience, ton calme me mettent mal à l'aise. À vrai dire, c'est moi que je ne supporte pas. Trop de tension, trop de hargne. Trop de rage à contrôler, trop de chevaux piaffants à brider. C'était bon de se retrouver. Mais allons-y, à petite dose. Je t'appellerai. Bise. Il saura bien que c'est moi.
Oui, j'ai fait une bêtose. Pardon. Bon, écoute, vas-y, on va se mettre d'accord. Vas-y. Non, toi d'abord, tu sembles pressé. Non, non, vas-y plutôt, toi. Je t'écris une lettre. Je vois. Tu la lis pas? Plus tard. Tu fais quoi? C'est mon anniversaire. J'ai pris deux gâteaux. C'est aujourd'hui. J'ai pris du champagne aussi. C'est moi qui l'ouvre. J'adore ouvrir les bouteilles. Tout de suite? Je pensais faire un lapin à la moutarde. On s'en fout de ton lapin. Champagne. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci, Mie. T'as plus rien dans ton verre. Ça fait combien déjà? Je veux pas tant que ça, j'arrive derrière. T'as encore le temps. Oh. J'ai mis mon complet neuf, sec, et je suis prêt déjà, depuis pas mal de temps. Ce soir est important, c'est l'anniversaire du jour où le bonheur t'avait vêtu de blanc, mais m'enverrait sur les roses, et l'on perdrait du temps. Il est 8h15 et tu attends la robe qu'on devait te... Adieu pièce d'anouille ou bien de Sartre. Je ne sais plus très bien, mais j'ai de grands fauteuils. Bon anniversaire. Bon anniversaire, ta robe est arrivée enfin, tu respires. Moi pour gagner du temps, je t'aide de mon mieux, tu
Tout semble s'arranger, mais soudain, c'est le pire. La fermeture s'arrête et coince au beau milieu. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire.